Zosé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Alors à tous, bienvenue encore une fois dans cette chaîne Exaucé Lungu TV, une chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue Narelle. Bonjour Narelle. Ça va, Narelle. Comment tu vas? Ça va. Allez, je suis aussi avec notre invité de tous les jours, notre invité de marque, qui l'évoque, et qui est souvent l'évoque. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui en vrai. Je vous en prie. Alors, Narelle, je te laisse. Bonjour. Je te laisse expliquer le concept de l'émission aux internautes qui nous ont certainement suivi la dernière fois. Comment vous savez déjà, notre nouveau concept 100% jeunesse scientifique évoque, j'ai une question. Alors, nous avons demandé à nos internautes de poser à l'évêque la question les plus farfelues, sensées, sans limite, qui n'ont pas de réponse, afin qu'ils aient justement la récupérer, la rapporter à la lumière à l'heure de suite. Alors, ici, nous avons sélectionné 10 questions qui se trouvent dans ce tiroir. L'évêque devra poser un numéro qui correspond à une question au hasard que Duvergé et moi lui aurons. Dieu ne pourvoit pas. Voilà, appeler le pouvoir. C'est que les conditions ne nous permettent pas de pouvoir. C'est que la personne n'est pas encore pour le mariage. Parce que Dieu est le pouvoir. Lorsque Abraham amène Isaac dans la montagne de Moria, le pouvoir les attendait devant avec un animal qui va remplacer Isaac. Parce que Isaac ne devait pas être tué à cause de la promesse. Donc il dit que je veux me marier, c'est moi qui veux te marier. Est-ce que c'est Dieu qui veut? Ok. Alors il n'y a pas de moyen de l'entendre. Il nous a même dit quelqu'un qui est mort parce qu'on a repoussé le mariage et puis il est mort. Donc, nous, nous avons envie d'emmener en couple de mon mari ou de ma femme, par exemple, la fille est mort. Oh, alléluia. Donc, voilà, la internet, c'est ce qu'il faut faire. Pour que je travaille une maison avant de se marier. Et là, Dieu va te voir. Amen. C'est-à-dire, à ce niveau, maintenant, j'ai encore un divergé qui disait que non, on parle de rien. C'est-à-dire, un petit boulot, on parle de rien. On a tellement que d'autres, un exemple de bête. Quand c'est la question, on demande à d'autres, on dit, amène-nous $2000 et tout. Moi, j'ai 700. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut, j'ai les 700. Là, si vous refusez, non, j'ai 10, j'ai bien les 700. Moi, j'ai dit, j'ai aussi marié avec une femme, ça va. Voilà, en plus, j'avais rien. Ça va, je pense que moi, avec le taux de l'époque, j'ai même pas quitté le taux, mais tu sais, les Africains étaient déjà en hausse de taux depuis la fête. Hein. Mais ils avaient un refond, vous savez ce qu'il y a ajouté. Aujourd'hui, certaines bourses sont proposées quand même à 5 000 euros. J'ai vu d'ailleurs à Fabien Lémy qui était sur Internet en train de dire que la dot n'est pas biblique, que Jésus a déjà payé la dot à la croix, il est en train de couler. Je pense que c'est la frustration. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces dots-là qui vont jusqu'à 5 000 euros à 4 000? Ce n'est pas biblique. Ok. Non, ce n'est pas biblique. Et d'ailleurs, quand vous prenez les 5 000 euros, on dit que c'est 10 000 euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Au bout d'un petit moment, c'est-à-dire tout le monde va sortir, les hommes, les matins, tout ça, donnez-moi une partie, et puis c'est bon, et puis ça va finir. Voilà. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vous seul demander ou bien la dot en fait? Exactement. Le coup de demander la dot, il n'y a pas de vous qui fait les appels à dot. D'accord. Ok. Tu n'as pas de blagues, je pense, donc tu as des boules de dot. Des boules de dot, ça a été désinfecté. Ça a été désinfecté, donc ça. Ok. Oui. Pourquoi on t'envoie beaucoup? Ça veut dire la belle question. Je suis d'accord qu'il y a des parents qui ont des préférences, mais si on doit entrer dans un cadre chrétien,
difficile quand on pense les jeunes hommes qu'on est, parce qu'il s'agit bien des jeunes qui ont rencontré des parents. C'est difficile à vivre, il faut faire à mesure s'adresser à Dieu. Ok. Ouais, parce qu'il arrive des fois, ça va remarquer qu'une maman qui a deux enfants, elle aime plus l'autre moins. Ça, c'est ça la réalité. Donc, je dis à des gens qui subissent des gens des choses qui étaient rien, la seule chose que je peux dire, c'est de compter sur les seuls. Mais est-ce que cela est le demande, je dirais, c'est pour que cette personne s'approche des mamans ou des papas avec politesse pour lui demander pourquoi il y a telle réalité. Après, la réponse des parents, c'est là où on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Et les hommes et les couleurs des églises de la mer. Donc, c'est qu'une vie. En français, quand ils ne mangent pas, quand on les place sur la table, c'est le pain doit tourner. C'est-à-dire, les ventres doivent être placés sur la table. Tu ne prendras pas cette vie de cette façon de faire. Mm-hmm. Si quelqu'un ne croit pas à Dieu, il doit que toi, tu lui dis quand tu les prends vers un mauvais chemin. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et quand on croit à l'amour de Dieu, Dieu te donnera maintenant des hommes ou un homme qui peut te donner un homme. Il a continué à suivre le Seigneur parce que c'était le prix de la vocation céleste. Pierre, quand on acclame pour toi parce que tu as reconnu Jésus comme le Christ, tu es content. Wow. Et lorsqu'on va te réprimander, toi aussi, content, ça fait partie des courses de la vie. D'ailleurs, nous avons une seule bouche, une seule langue, et des fois, on se mord la langue sans pour autant arrêter la langue et les intégrer autour de toi. La volonté de Dieu, même si les parents ne te comprennent pas et que tu parles si c'est la volonté de Dieu, quand tu réussiras, ils comprendront. Un exemple bête. Ma femme, à la base, moi j'avais rien, elle ne voyait pas quelque chose qui peut sortir de moi. Dans la belle famille, on a voulu que je sois mariée avec une autre personne pendant qu'elle était encore à l'école. Aujourd'hui, je vous dis, mon beau-père, c'est lui qui parle de ma femme, de moi. Ma femme qui dort sur le même lit que moi. Et c'est son papa qui en a fait qui parle de moi à ma femme. Voilà. C'est pour dire que l'homme est temps pour régler les problèmes. Il y a des choses, c'est le temps juste pour régler les problèmes. Les parents n'ont pas toujours raison. Les enfants n'ont pas toujours raison. Donc, Dieu est la même. Il y a certaines convictions qui sont vraies, certaines convictions qui sont fausses. Donc, une personne comme moi, je me dis, ma Bible est entourée des confessions, et des espoirs et des erreurs. Donc, moi, je n'ai pas peur si je confesse quelque chose pour des erreurs. Au moment où quelqu'un va écouter derrière la porte, il faut ce que je veux. Moi, je suis enfant de Dieu, ma vie, c'est le Seigneur. Voilà. Parce que quand on dit tout ce qu'on raconte de la Bible, regardez-moi, Satan, machin, comment on a su ça? Parce que les gens ont témoigné, parce que les gens ont confessé. Tu sais, ce que je n'aime pas, c'est la beauté que les gens veulent donner au christianisme. Que le christianisme soit quelque chose de classe, de filet, machin. Non, le christianisme, c'est quelque chose de croix, de la croix. Okay. Le christianisme se repose sur la croix. Jésus nu à la croix. On l'a déshabillé, on voit plus tout ça, ce qu'il avait, ce qu'il en avait, je ne sais pas. Donc, on voit vraiment le Seigneur en train de faire pour les gens. Je ne dis pas que lorsque tu confesses, les gens vont. Tu sais, il y a les corps pastoraux. Quelqu'un est dans la jeunesse. Après, il y a le responsable des jeunes. Il y a un deuxième responsable des jeunes. Tu viens confesser au responsable des jeunes. Le second responsable est tenu être informé de certaines réalités par rapport à la structure de l'église. Comme quand je travaille dans une banque qui est censée de garder certaines choses, exactement. Surtout par rapport à l'entreprise. Donc, le deuxième responsable apprend la chose. Le deuxième responsable ne va pas dire
sa pensée à quelqu'un, sa pensée à son ami intime. Où est le premier responsable ou le premier pasteur? Je suis là, je suis chez moi. Je suis en train de parler avec ma femme. Je vous explique une situation d'un frère, d'une soeur qui a confessé. Il y a quelqu'un qui est dans ma cuisine, qui est dans l'autre pièce en train de repasser un pantalon pour moi afin que ça ait été. Cette personne-là pense à aller dire ça aux autres. Où est mon problème? Alors, la personne qui a confessé doit venir d'abord venir, doit venir repasser. C'est bon. Alors je prierai pendant mon temps de sommeil, c'est dans 7 heures, c'est dans 6 heures, et puis je prie. C'est dans 6 heures et demie, et puis je prie 30 minutes. Il sera en train de dormir, je me réveille, il est là. Après, c'est moi-même. J'étais un jour au foyer, je ne peux pas ouvrir la bouche pour prier parce que dans la chambre, on était à deux doigts. Il y avait un petit qui dormait là, il était un peu. Voilà, j'étais là, je l'ai prié. Je me réveille au milieu de la nuit, puis j'ai fait ma prière sans parler. Donc la Bible déclare, lorsque vous prierez, dites. Luc chapitre 11, verset 1 à 2. Le Seigneur, on l'a demandé à ton nom, tu es le mieux si vous priez vite, mais la prière, ça ne fait pas ça. Mais il y a des circonstances où tu ne peux pas parler. Tu crois que ça de l'intérieur. Oh. Donc, tu sais, il n'y a pas de raison si tu veux prier, tu veux. Parce que quand tu entres, tu es capable. Les gens ne sont pas là pour te donner des idées. Parce que tu le fais, là, tout le monde est vers sa chambre, on est d'accord, il est 1h33, tu es en train de tuer Instagram. Les jeunes, je pense que Instagram, je fais beaucoup de modération pour les joueurs. Et les mecs sont vraiment en train d'attaquer cela. Ou peut-être que ce sont les démons qui te poursuivent pour ne pas que tu aies l'école après que ta destinée soit basse pour toi. Mais l'école n'a pas de sentiment. Ok. Mais quand tu as vu l'école manger, on prend le téléphone. Mais les enquêtes, ce qu'il est possible, justement, que de réussir dans la vie sans l'école. C'est-à-dire, est-ce qu'un sport, des défaites répétées ne sont pas un signe du fait que l'école n'est pas faite pour cette personne? Moi, je vais dire un truc. On doit aller quand même dans deux volets. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réussir sans aller à l'école? On pense à quelle école tu t'es en train de parler? Non, mais l'école avec l'enseignant, l'école, le professeur. Tu as répondu pour la première année, combien tu veux dire? Deviens David, va faire ton troupeau, sur le lion. Le lion va te bouffer avant que toi tu puisses le tuer. C'est bon. Donc, tu dis que il faut une base afin de réussir. Au pays, à ce temps-ci où il y a la nouvelle technologie, il faut qu'il y ait une base. On doit avoir une base. Pour pouvoir arrêter d'aller à l'église, avant de dire moi c'est bien, il ne faut pas y aller. Non, il ne faut pas y aller. Lui, les gars, il est marié, il fait le bien, il ne faut pas y aller. Non, est-ce que c'est une église qui a bien fait? J'ai aussi les méchants, le bien, le destructeur. Mais dans ce cas-là, en fait, comment c'est quelqu'un qui se reconstruit et faire confiance en fait à l'autre pasteur pour pouvoir aller dans une autre église? C'est vrai qu'on a souvent un mélanger justement, c'est-à-dire que celui-là était pareil, alors... Oui, on pourra aussi arranger. Ok, il ne faut pas tout mélanger. C'est ça qui nous donne notre problème. Il ne faut pas tout mélanger parce que c'est difficile de ne pas tout mélanger, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que lorsque tu mélanges tout, tu crées un blocage. Moi, je dirais, si tu veux changer l'église, prie au Seigneur, que le Seigneur t'oriente. Ça, c'est la même chose. Et quand le Seigneur va t'orienter, je crois que ça sera la bonne chose. D'ailleurs, il faut savoir, est-ce que dans la première église, c'est Dieu qui l'a envoyé avant? Il se peut aussi que quelqu'un soit bien, à un moment donné, et puis déraille après. Ça arrive. Moi, je dirais, faisons comme David, qui n'était pas né de nouveau, mais qui fonctionnait comme quelqu'un de la nouvelle alliance. Saül a voulu le tuer plusieurs fois. Mais lui, il n'a pas voulu le tuer. Il est resté correct avec Dieu, parce que notre relation dépend d'abord de Dieu. Quand on prend la décision de quitter l'église parce qu'on a un désespoir,
c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Lorsqu'on vous fait 1000 dons, moi je me rencontre tout à fait tard. On n'est pas à Mélodel, mais on a tenté d'un Mélodel, plusieurs fois. Et là, on était quand même dans ce pays. Donc, tu prie ou non, je prie toujours là-bas, ma femme. Mais tu crois qu'elle prie là-bas, mais elle ne progresse pas, elle a un blocage. Elle a un blocage, je lui dis, mais là, c'est encore un problème. Tu n'arrives pas à avancer. Merci beaucoup, merci à vous aussi hein, d'avoir répondu à cette question. Je pense que ça reste un concept qui vraiment bénit beaucoup, je crois, internautes. N'hésitez pas à poser des questions, à donner des commentaires sur cette émission, sur les questions que vous avez à donner. N'hésitez pas parce que c'est justement vos questions que nous venons ici publiquement à poser à les autres, surtout en gardant votre abonnement. Pareil. C'est exactement ce que vous voulez, c'est 100% prophétique que vous procurez à la vie. En Jésus-Christ, à la prochaine. Exaucer Lungu TV.